chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lily. Coucou tout le monde. Pour une dégustation sucrée, toujours chez Action. Moi, comme je vous ai dit, bon, j'ai la Woobox qu'on a commandée. D'ailleurs, on l'attend. Mais sinon, si je peux arriver à vous trouver des petites choses que vous, vous pouvez trouver et puis ne pas acheter sur Internet, si ça peut être utile, déjà, bah, je vous remercie parce que lors de nos vidéos, vous avez été nombreux à nous commenter ou venir en message privé pour nous remercier, nous dire on a testé, c'était bon ou j'ai moins aimé, enfin super. Et du coup, là, ça va être du sucré. Alors, normalement, cette vidéo-là, elle aurait dû être faite avec Fred, mais Fred, de là-bas, comment c'est le travail, il peut pas. Il m'a dit, fais-la avec Lily, parce que Lily, elle adore. Et c'est une gourmande, comme sa mère. Donc, du coup, on va faire ça. Alors, ce que j'ai pris, c'est que des gâteaux d'une marque que je ne connais pas. Et un autre, je connais pas non plus, donc on va tester. Et une boisson qu'on verra après... Dans la vidéo un peu plus loin. Donc je te laisse choisir Mimi ce que tu veux. Donc, je vais pousser la boisson. Allez, on va choisir. Et bien on va prendre ça. On en prend une, enfin on prend un truc chacun à chaque fois. Vas-y, montre chérie. Ça c'est des gaufres au chocolat. Ouais, donc c'est quelle origine là, tu sais. Mond Makers Bancake. Ben, gaufre nappé goût cacao, mais je sais pas à quelle origine ça pourrait venir. Chine. Non, je rigole. Irlande. Je sais pas. Nouvelle-Zélande, non. Bon, on va goûter, hein. Si vous connaissez, vous avez Action, dites-nous. Donc des petites gaufres qui se présentent comme ça, elles sont enveloppées individuelles. Donc c'est ça, c'est très bien. Par contre, au moins elles risquent un demi. Elles risquent pas de sécher. Si elle veut en emmener à l'école, ben elle pourra. Ou moi, même moi, mon goûter pour emmener au boulot. Donc voilà, je te laisse ouvrir. On fait un demi. Ouais. Ou un croque et puis on verra après la vidéo. Oh, ça sent bon. Ah oui, dis donc, ça sent bon, gaufre au chocolat. Ouais. Mets ta main en dessous, parce que sinon je vais en mettre partout. Tiens. Bon, ça s'émiette pas. Hein. Non. Elles sont assez épaisses quand même. Ouais. C'est trop sec à l'intérieur. C'est ce que j'allais te dire. C'est un étouffe chrétien. Par chez moi, on dit ça. C'est-à-dire que, je suis désolée, je perds la bouche pleine. Oui, on a du mal. Hein. Allez, il va falloir de l'eau. Ça colle. Ça colle. Oh, punaise. C'est tout fait, là. Voilà, c'est ça. Vous voyez, un étouffe chrétien, c'est ça, on dit ça. C'est un dicton. Alors, on sent le chocolat pas plus que ça. Ouais. Mais c'est très sec. C'est sec. Contre. Ouais. Et ça colle. J'en ai encore. Et j'en ai plein la bouche aussi. On va peut-être aller chercher de l'eau. Hein. Ensuite, eh bien, moi, toujours de la même marque, pâtisserie à la noix de coco. J'adore les rochers. Noix de coco. T'aimes ça, toi? J'adore ça, la noix de coco. Ah vous? Bah oui. Oh, ça me l'a mangé. C'est des beaux rochers, hein. Ouais. Les prix, faut que je regarde si j'ai gardé le ticket de caisse. Mais franchement, c'est tout moins de 3 euros. Hein. Donc, regardez-moi ce gros rocher. On dirait une fleur. Mmh. Non. Non. Non, 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 non. Alors, attends, je vais le casser aussi. Et ça sent bien la noix de coco, hein. Tiens, je te donne le plus gros, le plus. Mmh. C'est pas là. Eh, mais ils sont... épais. Ouais, on vous montre, ils sont vraiment épais. Hein. Il y a de la matière à manger. Oh, c'est trop bon. Limite, il y a un coulis. Non. Non, chérie, il n'y a pas de coulis, c'est la noix de coco. Oh, mais c'est trop bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment le rocher à la noix de coco et c'est vraiment exquis. Ça sent bien la noix de coco, par contre, vous. Je vous les remonte pour 7e. Si vous voulez noter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, c'est lui qu'on a mangé. Non, je sais pas, mais... Oh, c'est trop bon. Vas-y, à toi de choisir. Alors, on va toujours donner la même marque. Et c'est des...
Apple cocon, c'est des gâteaux fourrés à la pomme. On voit pas. Avec ça fait comme une galette en fait. Comme des chaussons, non? Ouais, comme des chaussons. Ça j'aime bien aussi, tout ce qui est à la pomme comme ça, du coup, je trouve ça bon. Ouais, ça fait comme un sablé, mais c'est, ça vient d'être mou. Il n'y a pas beaucoup de pommes, je trouve, par contre. Hein? Ouais. Mets en biais, chérie, pour voir la pomme. Un petit peu, ouais, quand ouais. même. Qui est chez moi. Je vous les recompte. 1, 2, 3. Pardon. Je vous les conseille aussi. Ils sont vraiment bons. Vous avez du monde au goûter, mais avec le café. Ils sont bons, non? Ils sont dans la pomme. Hein. Ça, c'est bien. Fred, si tu regardes la vidéo, dommage pour toi. Oh ben, j'ai fini. Alors, ensuite, on reste toujours la même marque, on fera lui un dernier. Ouais. Ça doit être trop bon. Il en reste deux dans la même marque. Bon, je reprends ce palin. Pardon. Hein. Et là, c'est pâte feuilletée fourrée à l'abricot. Ah, j'aime pas l'abricot. C'est vrai? Mais je vais goûter quand même, on verra bien. Bah, l'autre aussi, Mimi, je crois que c'est à l'abricot dernier. Donc, c'est des. Je sais pas comment ça s'appelle, il y en a plusieurs ou un. Oui, ils sont balèzes. Des, comment ça s'appelle en bas? On dirait des chaussons carrément. Alors, en fait, je vais vous montrer. Des liens rectangles. Ouais. Il y a du sucre, il y a du gros sucre dessus. Voilà. Bah, je vais croquer comme ça. Regarde, il n'y a pas beaucoup d'abricots. On dirait les chouquettes. Il n'y a presque rien dedans. Ah, mais c'est trop bon. Oh là là. Tiens. Non, mais là, tu auras d'abricots, chérie, parce que j'ai cassé une... là, ton c'est pas grave. Oui, mais t'aimes pas. Bah oui, mais t'aimes pas l'abricot, Nénette. Oui, non, je voulais goûter parce qu'il y a des trucs, mais ça va. Ouais, mais franchement, enfin, après, pour ceux qui aiment. Oui, pour ceux qui aiment, moi j'aime l'abricot, c'est super bon. Le petit côté du sucre qui est dessus, en fait, quand vous croquez dedans avec la pâte feuilletée et l'abricot, ça se marie vraiment bien. Ouais, à toi Nénette, le dernier dans la même lumière. Oula, c'est pas écrit en français, hein? Chips, bougie. Bon, bah là, je suis pas sûre d'aimer ça. Pâte feuilletée fourrée goût amande. Ouais. Donc, c'est un peu pareil comme l'autre, il y a du sucre dessus. Il y en a 6 dedans, y a... ouais, c'est comme l'autre en fait, ça fait des feuilletés, il y a de l'amande dedans avec du sucre dessus. Pourquoi tu dis que tu vas pas aimer? Ben, j'aime. Alors, j'aime l'amande, le fruit sec. Je commence à manger de la galette des rois. Je déteste la pâte d'amande sur les gâteaux, sur les petits personnages et tout. Ah, oh, ça sent la pâte à modeler. Ah bah c'est ça, hein. Ah, on dirait un truc trop chimique, là. Ah, mais ça pue la pâte à modeler. On va manger de la pâte à modeler. Viens, c'est toi qui faut. Ah, mais ça sent pas bon. J'ai peur. Franchement, il non, tu vas aimer, ça fait la galette des rois avec le côté sucré sur le dessus, c'est sympa. Mais je mangerai pas. Je mangerai pas. Ça sent la pâte d'amande, mais. Je peux pas te dire que c'est pas bon parce que je suis pas objective. Non, mais moi j'adore ça parce que c'est le goût de la galette. Ah, tu vois? Mais ça sent pas bon. Enfin, la pâte à modeler. La pâte à modeler. C'est trop bon. Enfin, pour ceux qui aiment. Ouais, le dernier, c'est pour moi. Le dernier, c'est pour moi. Et c'est pour moi. Alors, le dernier, c'est une marque que je ne connais pas. Choco Bills. Ça se présente
donc comme ça apparemment, il y a écrit Malo Sandwich. Il y en a 10, ça se présente comme ça. C'est gros comme paquet. Ouais. Donc on va voir. Ah bah ils sont renfermés. Trop. Ils sont tout renfermés. Jamais mis d'emballage comme ça. Ah non plus. Tiens, attrape-le si tu peux, Loulou. Bah au moins ils se dessécheront pas comme ça. Oui, ils sont épais. Excusez-moi pour le bruit. Vas-y, goûte chérie. J'ai presque plus de batterie, Loulou. Ouais, ils doivent être trop bons. Énorme. C'est un biscuit et dedans il y a une crème. Chamallow. Chamallow ? Ouais. Moi je suis pas trop chamallow, mais là, c'est pas mauvais. Ah non, ils sont super bons. C'est croustillant. Ouais. Je vous les recommande. Je vous remonte. La marque. Non, franchement, ils sont top. Ils sont trop bons. Et on a pris une boisson. Tiens, tu peux me donner mon verre, chérie? C'est Blooming Red Black Tea. Lemon. Peach, Lemon, Orange, Blossom. Déjà la canette elle est super belle. Ouais, j'avoue. Je l'ai mis au frigo. Donc on va goûter ça, puis on va vous dire ça. Vas-y, Loulou. Mon verre ne m'a fait clochette. Oh, l'odeur. Ça me rappelle quelque chose. L'Oasis. Nice tea. Oh. Oh. C'est de l'eau. C'est pas pétillant du tout. Oh, que c'est pas bon. De l'eau, mais qui pétille pas. Ah, c'est comment ils peuvent inventer un truc pareil? Bon, qu'est-ce que t'as plus aimé, toi, Nénette? Oh, oh mais moi j'ai tout aimé, presque. Moi, perso, oui, je préfère les rochers à la noix de coco. Rochers à noix de coco, moi aussi. Ensuite, les bises. Ça, les galettes aux pommes, c'est sympa les galettes aux pommes. Et ouais. Moi j'aime bien l'abricot, je crois même que j'ai tout aimé. Sauf les gaufres, ça je vous déconseille, ça étouffe quelqu'un. Et les autres à la pâte d'amande, moi j'aime pas ça, peut-être que vous, ceux qui aiment l'amande. En fait j'ai deux trucs que j'ai aimé. Mais toi t'aimes bien, ça ressemble à la galette avec le petit goût sucré. Ouais, mais c'est pas le truc que j'ai préféré, c'est les rochers. Les rochers, ça, ouais, moi aussi. Les rochers et les... Et les... Whiz. Donc voilà. Bon, bah sur ce, petite dégustation, on vous fait plein de gros bisous. J'espère que vous avez un Oz par chez vous. Ceci, sinon, dommage. On vous fait plein de gros bisous. À bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.